Salomon,
et toutes les autres. Donc, bien content, et je vous dis, c'est vraiment un jour de joie pour l'église de Folleville. Eh bien, maintenant, nous gagnons avec nous nos invités principaux. C'est un frère, et la réclamation le fait, montrer l'humilité qu'il y a, parce que dans la communication, c'était pasteur Réginald Joseph. Et chaque fois, mon côté avec, il dit non, ce n'est pas pasteur Réginald Joseph, mais c'est frère Réginald Joseph, l'évangéliste Réginald Joseph. Donc, c'est lui-même matin, bon Dieu choisi pour communiquer nous cette parole. Et il n'est pas pour contre lui dans l'assemblée, il n'est pas pour contre lui. Il est accompagné de ses deux filles. Avant de revenir au petit camp, s'il vous plaît. Les deux filles de frère Réginald. Bienvenue à la maison du Seigneur et son frère également l'accompagne. Donc, c'est famille ça que bon Dieu voyait aujourd'hui hein, pour partager avec nous sa sainte parole. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bonne participation. Chers frères et sœurs, du temple adventiste de Fall River, Maranatha! Nous sommes prêts! Maranatha! Nous sommes prêts! Amen, amen, amen. Si nous croyons que mon Dieu, nous, son bon Dieu qui est extraordinaire, dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel! Béni soit l'Éternel! Béni soit l'Éternel! Je dis ça, frère, moi, c'est parce que, j'ai tout petit à Haïti, à grandi, une profession que j'ai remis en pile, d'armer nos jeunes pasteurs. C'est la première profession de choix, c'est pasteur d'armer nos jeunes dans la Bible. Et maman mettait le Dikini, nous faisons partie dans le collège pour le Dikini, et les circonstances de la vie trouvaient que je voyageais aux États-Unis. Une fois arrivé aux États-Unis, j'ai étudié génie électrique au lieu de mille pasteur. Mais même la matin, il y a un pasteur original, béni soit l'Éternel. Et plusieurs fois de passé, je dis que nous sommes avec mon pasteur, et il revient avec ma pasteur original. Maintenant, mon message pour nous qui dressait. Message là, c'est simple, parce que en tant qu'ingénieur, nous avons présenté une solution qui simple. Une solution que tout le monde est capable de comprendre. Même si on parle la matin, on arrive à la carrière, on va être capable de changer dès qu'il s'agit de débattre. Parce que c'est un message qui est très simple, qui est très cool. Mais nous trouvons nos dilemmes matériels, les gardes d'assemblée. Moi, je suis un pile jeune dans l'assemblée. Vous avez dedans, un pile dans le papa de créole. Vraiment. Parce que vous savez que deux petites filles, vous avez un créole là, pas si tellement fort. Et c'est même qui est bien dedans parce que vous avez dû apprendre le créole. So, de ce fait, je suis capable aussi, j'ai indulgent ensemble avec moi, je suis parfois traduit pour que vous êtes capable plus ou moins comprendre de qui ça m'a pas. Ok? Nous ne pouvons pas être en pile. Message même qui a présenté dans 15 minutes. Mais avec répétition, il a duré 30 minutes comme ça. Il ne va pas étendre. Petit message même pour matin, c'est Jésus, notre GPS. Jesus, our GPS. Qui sait le GPS? GPS, listed for Global Position, Global Position System. C'est ça lié, GPS là. Mais matin, avant que vous nous détaillions GPS, ça GPS là, nous sommes capables d'entrer dans le message. Je vais besoin de détailler ça en GPS, l'importance du GPS là, et puis nous sommes capables de faire sur le plan spirituel, pour nous sommes capables de trouver un bagage de ça que nous dit matin. Nous jouons ce mot dans le verset ça de méditation que vous avez pour nous. Dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chers frères et sœurs, dès le jour de notre naissance, nous commençons un voyage. La destination n'est pas la mort, puisque la mort n'est pas le dernier chapitre de l'existence de l'homme. Nous avons en face de nous deux destinations, le paradis ou l'enfer, la vie éternelle ou la perte éternelle. Dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin de la vérité et de la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En un mot, Jésus a dit, je sais le chemin qui mène au Père
et seulement moi peux te conduire à lui. Je suis le GPS que tu as besoin pour arriver au paradis. Chers frères et sœurs, dès naissance, nous, we are, since the time that we are born, we are on a trip. We are going to a destination. And that destination is not death. Death is only a stage in our existence as human beings. But the final destination is where we are going to spend our eternity. Qui côté la passer éternité? Est-ce que la passer éternité, est-ce que l'éternité nous a passé dans le paradis ou soit nous a passé dans l'enfer? This is our destination, paradise or the eternal fire. We have to make a decision where we want to go. Qui côté nous voulons aller? Qui côté supposé destination finale pour nous? Mais maintenant, je voulais faire vous connaître que destination finale, ça, paradis, c'est celle Jésus qui t'a amené nous là. No one else can lead us to paradise. No one knows the way how to get there. Only Jesus. So we need to know Jesus so that he can lead us. We need to know what he wants from us. Nous besoin de connaître qui ça Jésus vient de nous-mêmes pour être capable de mener nous dans la destination finale, ça. Et c'est ça maintenant, d'après même. Je vais partager ensemble avec vous. Parce que avant de présenter le message pour nous, le message c'est pour moi. D'après l'expérience que j'ai ensemble avec Jésus dans la ville, à chaque moment où je vais veiller, l'argent est sous moi, l'expérience a changé. Je vais comprendre Jésus dans notre dimension, dans notre façon. Et maintenant, je vais parler avec vous. Comment que je me comprends? Peut-être pas moi. Mais juste avant que nous entrions d'emblée dans le message là, nous devons parler d'importance du GPS. Parce que pour nous capables de comprendre le message là, nous devons comprendre l'importance du GPS. Qui ça GPS a représenté pour nous dans le 21e siècle? Moi, j'ai changé en 1998. Moi, j'ai un bon ami de filmé qui habitait Montréal, Canada. Il relève notre téléphone et il invite même ensemble avec moi pour nous venir pour nous visiter le Canada parce que là, marié, il a même participé dans le mariage. Te composant une que Davidson, le même frère, nous décidons de nous dire nous voir le Canada pour aller au Canada pour la première fois. Et dans l'époque ça 98, nous pas gagné GPS, j'ai que nous gagné le téléphone nous. Peut-être la technologie a existé, mais il était sous forme concours système de navigation Magellan, Navigon, c'est dans ce sens à l'autre. Mais nous t'es gagné, nous t'es acheté dans l'époque ça. Faut si c'est pratique de près de 3 000 à 4 000 dollars de déchets en pile de l'époque. So, nous-mêmes qui savons faire, aller sur Internet, là, moi mettez adresse même côté de l'IA, mettez destination, et puis aller dans MapQuest, et puis nous comprenons. Nous prenons la route et puis nous décider pour aller au Canada. Mais quand on a pensé, quand on a l'époque, ça m'a dit, comment on peut arriver au Canada? How did I make it? Nous quittons à midi, 1h de l'après-midi, pour venir au Canada juste pour une soirée bien tard. Et puis nous soirée, nous pas faire où nous à souhait, nous suivons pas bien. Nous perdus, nous sommes perdus, mais nous arrivons dans la destination quand même, côté que nous avons besoin de vivre. Chers frères et sœurs, that makes me think that the GPS is one of the most important inventions of human beings. We take it for granted. We don't see the importance of it because we just have it. This is a one house. But mais même qui fait expérience là, réaliser que GPS là, c'est un bagage qui est important en pile. Une brève histoire de GPS. En 1957, la Russie voyait dans l'espace le premier satellite, qui est le Sputnik. Satellite ça, là, émet des ondes, des séquences de radio, des fréquences de radio, et puis la Terre a capté ces séquences-là. Et chaque fois que le satellite approche plus près de la Terre, ces séquences radiophoniques sont plus amplifiées, plus gros. Les gens ont réalisé l'invention, sa importance, ça, satellite, ça a roulé en orbite. Vivant en 1968, quand il y a 36 satellites, les hommes ont envoyé qu'à orbiter autour de la Terre. So, quand on a l'air, on commence à penser, ça qui vous en donne, bon Dieu créé l'homme. God created human beings with this intelligence. Human beings never satisfied of the present moment. They always want to push further more. Yes.
the frontier. They always do more. And that's something that God put in us. It is a good thing, it is a great thing, but we can use it in the wrong way. So, nous parlons forward. En 1978, un groupe d'ingénieurs qui étaient des forces aériennes des États-Unis, ils ont inventé, ils ont appelé NAFTA GPS. NAFTA GPS, côté que nous avons réalisé longtemps, là que nous avons voyagé, par exemple, dans le Moyen-Âge, temps réduit, les hommes qui ont voyagé pour marquer les compas. Compas, non? Compas, là, c'est seulement pour tout de white direction. Il va dans le nord, il va dans le sud, il va dans l'est, il va dans l'ouest. Mais il va voir exactement côté qu'on besoin d'aller. Son nègre réalisé Air Force en 1978, États-Unis, ils ont utilisé, ils ont commencé à expérimenter avec différents satellites. On peut décider de mettre quatre géographies pays, voyer information par satellite là. Ils ont réalisé qu'ils sont capables d'utiliser pour navigation système. Navigation par terre, par mer et par air. Ils ont décidé qu'ils sont capables d'utiliser. Mais Amérique a développé la technologie, non pas pour bénéficier le monde vraiment, mais pour avoir un avantage militairement. Parce que militairement, si on est capable de pinpoint côté ennemi, on est capable de détruire avec facilité. So, c'est dans ce sens-là qu'on a développé. Et puis, nous allons plus loin, toujours. Nous venons trouver nous, dans l'année 83, côté que le président Ronald Reagan, il vient bailler possibilité à compagnie privée pour être capable d'expérimenter la technologie. Ça. C'est en 1983 quand une compagnie qui commence à travailler comment on peut mettre des GPS. Je veux nous connaître dans le système Magellan avec Navigon. So, pour aller plus loin toujours, pour nous finir avec l'histoire, nous sommes capables de tout comme ça. C'est en 1999 qu'ils ont commencé vraiment à mettre des GPS dans le téléphone. So, histoire ça, je fais histoire ça ensemble avec nous. C'est pour nous capables de réaliser l'importance du GPS là. Regardez qu'on y a là. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Vous avez une adresse là. Vous mettez l'adresse là. Vous suivez GPS là. Vous arrivez là. Vous pouvez vous voir n'importe côté sur la terre. En Allemagne, en Italie, en France, Japon, quel que soit côté. Vous avez une bonne adresse là. Vous mettez dans le GPS. Vous arrivez dans la destination là. Quand même. Ça, c'est bien fait qui gagne dans le GPS là. But today, I want to tell you one thing today. Jesus is the GPS of our life. We need Jesus. Nobody knows the way how to go to heaven. The brothers and sisters in the church, we don't know it. The elder doesn't know it. The pastor doesn't know how to get you to heaven. Even the president of the conference, the pope, no human knows how to get to heaven. Only one person knows how to get to heaven. It's not from here, it's from above. His name is Jesus Christ. Chers frères et sœurs, Jésus est GPS là pour trois raisons. On va définir trois raisons ensemble avant. Premièrement, il est d'en haut. Three reasons Jesus is the GPS. It's not from here, it's from above. Et nous voyons ça. Nous voyons ça en nous lisant notre verset qui est capable d'aider nous à plus comprendre. On lit Jean 6, verset 38. Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça qui est bien important dans le verset, hein, il dit comme ça, car je suis descendu du ciel, je suis descendu du ciel. Ça dit, ça nous dit que Jésus n'est pas sorti d'en bas, il est sorti d'en haut. Malgré la naissance que j'ai été faite, la naissance, même dans la naissance qui est capable que nous passons sous la terre. C'est par le Saint-Esprit que Marie vient enseigner. Il va être sens à Jésus. Jésus va dire mon papa, Jean-Benoît, qui est petit, nous connaissons. Il va faire pour ça, c'est par le Saint-Esprit qui est imprégné. Donc c'est Marie, elle est venue sous terre. Il vient sous terre pendant plus de 33 ans. Plus de 33 ans. Pour qui ça? Il vient sous terre. Il vient montrer les hommes comment, malgré nous, pour nature pécheresse, comment nous sommes capables de vivre sous terre là, et nous sommes capables agréables à la vie de mon Dieu. Il vient monter nos chemins. Il vient monter nos routes là. Nous pas
par littérature, non pas par vos discours, mais de l'écouter nous savoir quelle façon que vivre pour nous capables de comprendre. Mais malgré même ensemble, nous ne pouvons pas parler de Jésus sous terre, mais nous avons la Bible. La Bible nous compte comment nous avons pu agir, comment nous avons agi, comment nous avons vaincu sous terre. Pour que nous avons attention, nous, en tant que GPS, si Jésus dit nous pour nous tourner à droite, c'est pour nous tourner à droite. Si Jésus nous tourner à gauche, c'est pour nous tourner à gauche. Si Jésus nous fait demi-tour, c'est pour nous faire demi-tour. Les nous venons dans mon appareil, parce que c'est une terre d'exil pour nous prendre. Pour nous prendre une terre d'exil là. Parce que c'est lui qui a dirigé nous. Nous ne connaissons plus ce passé. Nous connaissons ce que nous avons besoin, ce qui est important pour nous. Et nous connaissons qui ça va parler dans le ciel là, qui est-ce qui est agréable à parler dans le ciel. Ok? So, pour comment faire pour que ça passe, au cours de leçon, nous étudions pendant une semaine là. Il y a une histoire, et tant que je m'a préparé le message, j'ai pensé avec un pile. Je pensais à l'histoire de Good Samaritain. De Good Samaritain. Dans cette histoire, il y a été dans ma route de la roche, oui, qui est le seul. Et je vais faire une capitulation de l'histoire pour nous, pour nous faire sortir un point. En tant que GPS, en tant que Jésus GPS, nous, il y a besoin d'un ingrédient, il y a besoin de mettre ensemble pour nous capables de gagner dans la vie. Pour nous capables de suivre, nous avons besoin d'ingrédients, ça. L'histoire du Good Samaritain m'a mis dans le contexte la vie de nous ici. Parce que là, il y a toujours pas dans la Bible, là, c'est pas un qui est plus longtemps, mais on voit ce qui a mis dans le contexte de la Bible. Imaginez, étant conduit sur route 24, là, dans le passé, nous voyons un accident. Nous voyons une machine qui a baillé la fumée. Et dans la machine, là, il y a un monde qui est dans la machine, là, qui perd ses connaissances. Tête qui sous volant, là, baillé la fumée. Il y a un prêtre catholique qui a passé sur route là. Dit ouais, nous sommes en détresse dans la machine qui a fumé. Du feu, qui ça le fait? Il fait au nom du Père. Et puis on continue l'année. Pour pasteur Baptiste, qui a passé, pasteur Baptiste, ouais, même accident tout. Il dit ouais, bon Dieu. Et on continue d'y aller. Et puis, troisième qui a passé, son est Rasta. Il dit plus bon chevet Rasta. Quand il y a un tatou, même figure qui est tatou, c'est lui-même qui a passé, nous ouais ça. Sans hésiter, il prend machine, il met des machines sous côté. Au péril de sa vie, il courit dans la machine, il râle les gars, mettez les gars dehors. Et non seulement ça, il est de mon côté, il est dans le monde vini, il prend ce nègre là. Et il suit l'ambulance là, il est juste l'hôpital là, pour le mettre chou que les gars ok. Mais toi, mon saillot, qui est-ce qui proche, monsieur? Rasta. Rasta qui proche. D'abord, what I want to tell you today is not because you come to church. Everything is okay. It's not because you come to church, you are already there to that destination that we are all going. You need to have love in your heart. Love, c'est le premier ingrédient qu'on a besoin pour capable de suivre Jésus. Okay? Et love, ça, you have to manifest it. For this love, cet amour doit être manifesté. Nous devons le montrer à l'un l'autre. Si notre frère est en détresse, notre soeur est en détresse, nous devons l'aider. Nous ne pouvons pas tourner notre œil de la situation du soeur et du frère. Ça, c'est pour bagage que Jésus t'a fait. Jésus, l'aide pour en détresse. Jésus aide les gens. Il va être secours à ceux qui sont en détresse. Son cher frère et soeur, nous ne pouvons pas penser que nous suivons GPS là, si nous n'avons pas l'amour ça dans le cœur. On l'a qui est désintéressé. On l'a qui est toujours prêt à aller au-delà de lui-même pour être capable de soulager le problème prochain. So, nous avons besoin d'ingrédients ça dans la vie. Nous. Le mot ça, Jésus manifesté. Dieu a tant aimé le mot. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas à nous que mon Dieu fait tout ça pour nous dans la vie. Ce n'est pas à nous que mon Dieu quitte le ciel, le royaume, il descend côté où. La terre représente seulement un point dans l'univers. La terre, c'est un bagage qui est tout petit dans l'immensité de l'univers. Mais pour point ça, pour point ça, le Créateur éternel, le Dieu tout-puissant, il décide pour vivre mourir, pour être capable de sauver même on sera mort. Why is it so difficult for us to show this kind of love to each other? Why is it so difficult that we cannot endure nous pas capable même là pour ça pas parler nous que dans ciel là? Pour nous capables de l'une à l'autre. Chers frères et sœurs, je vous dis matin. L'amour, ça m'a parlé.
Il commence la caille avec madame, avec petit. Et le monde, ça, il continue toujours. Notre travail, pour toi, nous travaillons beaucoup comme nous ensemble avec eux. Et le monde, ça, il continue dans l'église là. Qui l'a voulu pour nous là? Est-ce que le problème, soeur, c'est le problème, oui. Est-ce que le problème, frère, c'est le problème, vous connaissez? J'ai besoin de nous pas dire que Jésus, c'est GPS, nous. Et nous ne pouvons pas faire ça, Jésus, pour nous être capables de faire. Le deuxième point m'a présenté, pour nous capables de dire qu'il est d'en haut, vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, nous trouvons ça dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33, nous voyons ça va dire vivre pour Dieu. Quand nous vivons pour Dieu, nous ne pouvons pas vivre pour tes femmes. Matthieu 6, verset 33. Ouvrez Bible, ouvrez Bible. Matthieu 6, verset 33. Dis-nous comme ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous devons chercher premièrement le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire chercher premièrement le royaume? Chercher premièrement le royaume, nous veut dire. Père Jésus, ça qui est plus important pour vous dans la vie. Ça qui est plus important pour vous dans la vie, matin, père, qu'on est que c'est pas ma famille, c'est pas madame, c'est pas petit. Plus important pour vous, mais c'est pas ça qui est supposé plus important pour vous. Ça qui est important pour vous matin, c'est pas travail. C'est pas travail pour rien, c'est pas caisse ou habiter là-dedans, c'est pas profession pour rien, c'est pas diplôme pour posséder. Ça qui est plus important pour vous, cherchez premièrement le royaume. Réveillez Jésus. Fais Jésus Lord et Seigneur dans la vie. Que toute action qu'on va poser, que action ça est capable pour plaire Jésus. Nous ne pouvons pas plaire tes parents. Le plus grand problème de l'homme, le plus grand problème de l'homme, il veut se satisfaire. Il veut satisfaire ses besoins. L'homme, il est presque impossible à l'homme de mettre quelqu'un d'autre au-dessus de lui. Ses besoins sont les besoins premiers pour lui. Il veut se satisfaire. Et on trouve cela même dans les mariages. Il y a ce conflit dans le mariage. La femme veut se plaire premièrement. Et aussi, l'homme, il y a un conflit. Et c'est très difficile pour l'homme de donner la priorité à quelqu'un d'autre. Nous besoin apprendre à faire priorité à l'homme. Et pour ça, que nous besoin faire priorité dans la vie de moi. Je dis, d'aller nous connaître Jésus. Cherchez premièrement le royaume. Lève-nous lever matin, c'est le premier monde pour nous capables de chercher. Au cours de la journée, pour nous capables de chercher Jésus. Et à soir, dans le dormir, pour nous capables de dormir avec penser Jésus, nos pensées. Pour nous capables de dormir avec tout cœur. Et lève-nous faire ça. C'est GPS là qui a conduit dans la vie. Il n'y a pas de différence là. Jésus a béni nous tout ça que nous avons fait. En tant que plus la matin, au cours de la semaine, vous écoutez sur Internet là, vous faites une recherche sur Internet là. Parce qu'on peut prêcher dans l'église pour le river, nous avons besoin qu'on ait un peu de l'église pour le river. Nous faisons recherche pour faire. Nous disons que vous avez 94 000 personnes qui vivent dans le river. Mais quand vous avez 94 ans, il y a 2228 haïtiens qui vivent là. Ça veut dire que nous sommes dans zone là. Est-ce que nous faisons mission ça? Nous disons que nous sommes capables de vivre pour plaire Jésus. Mais Jésus est notre mission. Allez dans le monde entier, faites des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est notre mission. Si nous voulons pas Jésus pour mes places, si nous voulons que Jésus soit capable de plaire de nous, des actions qu'il a posées, nous avons besoin pour nous capables de faire des disciples. Pas de raison pour que nous soyons capables de vivre. Qui est trop pour Dieu à capable sans Jésus. Et nous avons une responsabilité. Si Jésus, en tant que Père éternel, est capable de quitter ce ciel-là, capable de quitter l'univers, il vient pour nous mourir pour nous. À plus fort que raison nous-mêmes, prochez nous. Est-ce que nous avons quitté mourir sans Jésus? Est-ce que nous avons quitté mourir sans Jésus? Nous avons une responsabilité pour nous capables de réaliser la mission, pour nous capables de sortir dehors, pour nous capables d'évangéliser. Directeur Laïe, même sur Laïe, vous voyez, sur la pile, prêcher l'évangile. Il y a plusieurs tactiques pour nous capables de réaliser.
pour capable mettre en pied pour aller chercher moun. Et une autre tactique c'est premièrement pour dire moun koto habite ya. Non plus dire koto habite ya. Localiser haïtien. Moun ki parle même dans la semaine. OK? Pas courir à dire Jésus a venu. Comment c'est ça le yo avant? Bonjour. Bonsoir, comment y est, comment Julien y est, comment activité y est. Guillez ou sort de rapport ensemble avec un rapport humain. Et après ça, on va voir avec au cours des mois, relation ça commence à grandir, relation ça commence à grandir, commence à connaître. Là, vous venez présenter, ou tout à l'heure, même dans l'église, ça fait quelques temps, la vie. Comment c'est premièrement la vie pour toi habiter? Comment c'est dans le quartier pour toi? Commencer notre travail côté mon Dieu métaux pour prêcher l'évangile là. Parce que pas bien objectif nous, c'est prêcher l'évangile. Parce que mon Dieu m'a une mission, mettre-nous dans une mission et nous besoin à quitter nous de mission, nous devons réaliser mission ça. Et même la stratégie que vous employez, la stratégie que vous faites, moi-même connais business haïtien, côté grand public business haïtien. Et puis les samedis après, nous signons des groupes, moi, dans le temps, dans quelques business haïtiens avec feu et nous. Et puis, n'a pas fait ensemble. Quand les gens qui pensent que la stratégie ça va marcher, mais son stratégie que nous avons fait longtemps, même disciples, c'est comme ça qu'on a dit, dans la rue à prêcher, nous avons employé tout, stratégie ça. Ok, nous continuons toujours avec la prédication. Deuxième point que Jésus c'est GPS. Il nous a rachetés par son sang. Nous trouvons ça dans Esaïe 53, verset 5, qui dit comme ça. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus paye l'ultime sacrifice là, qui fait le qualifier pour être capable de GPS. Les côtés perdus, les que même ensemble avons été perdus, les que pas gagné aucun espoir pour nous. Parce que la loi de Dieu, au fois que nous avons la loi, ou violer la loi de Dieu, c'est de l'amour, tu as supposé mourir. Mais Jésus, dans l'amour, il y a plus d'auteurs qui parlent de ça, mais moi je pense pour ça. Je pense que Jésus, il dit l'homme péché, il présente la tête à papa. Jésus connaît qui sacrifice, qui est capable de sauver l'homme. Qui est capable d'acheter l'homme en ma condamnation péché ça? Sans hésiter, Jésus présenté devant papa en tant que offrande. Pour l'offrir d'être pour être capable de sauver l'humanité ça. L'humanité ça que bon Dieu créé à ressemblance il y a. Jésus qui était prêt à mourir pour lui. Jesus was ready to give his life for us. Il didn't hesitate one minute. He accepted the death of the cross, so that he can save humanity. And he gave his life. Oh, chers frères et sœurs, maintenant, ma foi connaît. Quand plus religieux dans le monde, il mange l'homme. Il y a un prophète qui est Mohamed. Tout le monde a projeté, il vient avec une définition de mon Dieu. Il parle, il dit ça que c'est mon Dieu par une révélation. Mais ça m'a supposé faire, pour y aller dans le ciel. Et Mohamed lui-même, qui ça dit, il dit, musulman comme ça, les dans le ciel, vous dites après nous, cette vierge, n'a pas gagné. Cette vierge n'a pas gagné, qui ça vous promet pour nous. Et nous connaissons au ciel, pas de garçon, pas de financier. Et nous nous promettons par monsieur, cette vierge. Ça veut dire qu'on pile faux prophète dehors. Et Mohamed, il mourit, mais qu'on a enterré, et il est toujours dans le tombeau. Mais Jésus, moi, il est ressuscité, il est vivant au ciel et des ciels. Chers frères et sœurs, Jésus s'est dit pièce nous parce qu'il va la vie pour nous. Et troisième point, parce que nous en film. Troisième point, nous avons mentionné déjà, il a vaincu la mort. Dans Apocalypse 1, verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus, il est mort pour nous. Et l'homme n'est pas capable de quitter. Au troisième jour, il est ressuscité et il vivant au siècle des siècles. Pour qui ça c'est important pour nous? Il est important pour nous, Jésus, c'est GPS tout parce que si l'homme n'est pas capable de Jésus, qui est-ce qui est capable de nous? Qui est-ce qui est capable de conduire nous à la vie éternelle si Jésus, si l'homme n'est pas capable de
Jésus qui vient, parce que l'amour, même l'amour va t'attirer, il est ressuscité au troisième jour. Oh, chers frères et sœurs, message de matin, il sait, sans plus littérature, c'est que Jésus simplement qui est capable de sauver. Et Jésus montre-nous comment nous sommes capables de suivre. Qui ça qui est important? Qui est supposé important pour nous dans la vie? Et nous mentionner l'amour. L'amour sont écrits essentiels pour mesurer l'amour dans la vie, pour nous sommes capables de sauver. Et nous mentionner aussi que nous besoin vivre pour Jésus. Non pas pour nous capables de vivre pour tête par nous, pour nous capables de faire tête par nous, mais nous pouvons apprendre à vivre pour Jésus. Et Jésus sanctifie nous parce qu'il bat la vie pour nous. Il bat la vie pour nous. Et troisièmement, il accepte de mourir. Il bat la vie pour nous. Et troisièmement, il vient dans mort, il ressuscite et il vivra au ciel et les ciels. Pour conclure le message, mais ces paroles à vous. Quand nous étions perdus sans espoir après le péché de nos premiers parents, nous avons été condamnés à la perte éternelle. Jésus-Christ s'est présenté comme ce sacrifice parfait pour nous racheter. Par sa mort, il nous montre la route pour revenir au Père. Jésus est le GPS qui nous restaure. Si nous obéissons à Jésus, notre futur est assuré. Nous régnerons avec lui pour l'éternité. Mais si nous endurcissons nos cœurs à lui, notre Père est garanti. Il est le seul ordonné dans tout l'univers qui peut nous restaurer. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat. Amen. Amen. Ça nous dit, chers frères et sœurs. Amen. Donc, nous allons mettre fin à ce service-là. Mais juste avant de mettre fin à ce service-là, il y a un message très important qui vient du rapport de Fabrice. C'est que le monde qui est là ensemble avec lui pour faire des arrangements, pour assurer, pour des dérivés de nous, lui m'a donné le temps, oui. Pendant 2 minutes, tant pis. Oui, Fabrice, pour les gars. Faire un petit tête avec nous. Donc, merci pour votre présence. Nous allons camper pour nous finir avec la portion adoration dans le numéro 507 de nos hymnes de louange. Sans Jésus, je ne peux vivre. 507. Je vous souhaite. Sans Jésus, je meurs.
grâce, tu nous as révélé à toi. Je te demande de tout l'amour infini, Père Saint, de nous aider à continuer le chemin avec toi. Que tu sois notre GPS, que tu nous conduises, et nous sommes certains, à la fin de notre vie, nous serons un jour avec toi, sur cette grande table, dînant avec Jésus, le touchant, parlant avec lui, Père Saint. Mais aide-nous, Père Saint, à rester connectés avec toi jusqu'à la fin de nos jours. Nous te prions dans le Christ de ton fils Jésus, qui vécurait le Seigneur des siècles. Amen. Thank you.
Bien-aimés mes frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes contents de vous compter ensemble avec vous. Aujourd'hui, dans le culte d'adoration, l'église Fall River, et nous arrivons d'enfer. Nous disons merci de fait que nous avons participé et nous souhaitons nous, pour nous passer une bonne fin de journée. Et à soir, encore à 8h, nous appelons pour nous soirée de prière pour nous capables de joindre GPS pour nous conduire aller dans l'éternité bénéfice avec Jésus. Que bon Dieu bénisse nous, passez une très bonne fin de journée. Bon sabbat dans le Seigneur et bonne semaine sous l'œil vigilant du Tout-Puissant. Rendez-vous en plus tard, 8h, minuit. Que bon Dieu bénisse nous, c'était avec vos frères, Samuel Felder, c'est Yves, depuis Paul River, 125 Messon Street.